Monsieur, dame. L'homme. Ça va, Jean? Oui, et toi? À la pêche? Oui. Ah bah oui. Ça va, Nénès? Vas-y. Bonjour, madame. Bonjour. Ouais, bien la soirée. Chanté? Je connais? Ah, t'es allé au Michi? Non? On se voit peut-être. Salut, René. Comment ça va? Ah, moi, très bien, mais je vais pas trop parler. Avant, tout à l'heure. Monsieur, dame. Ah, ben bah, ça y est. Propose pour les forces de gauche d'être au rendez-vous d'un rassemblement sans faille au deuxième tour. La colère ne doit pas conduire à faire gagner Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est 5 ans de souffrance, d'ignorance, de déni de la démocratie, de privilèges aux riches, d'abaissement de la patrie. Dans ce cadre, je vous demande, et je demande au peuple de gauche, de ne laisser aucun espace aux chicanes au sein du peuple de gauche, de ne laisser aucun espace pour permettre à Sarkozy de s'immiscer. Je demande... Monsieur Pinault. Je ne sais pas si j'ai la patate. Ça, François? Là, ça dépend, c'est gentil. Une patate bien fatiguée. Hein? Une patate bien fatiguée. Association syndicale de salariés, et j'insiste bien, deux salariés de la région diepoise. Ce 1er mai revêt un caractère particulier puisqu'il se situe entre les deux tours de l'élection présidentielle. Les résultats de ce premier tour démontrent que les salariés, les privés d'emploi, les retraités et la population en général aspirent à un changement économique et social radical. Le rejet de la politique antisociale et autoritaire conduite par le président depuis 2007 est flagrant et massif. Entre nous, comment aurait-il pu être autrement? Comment les salariés, les privés d'emploi, les retraités et les jeunes en âge de voter pourraient-ils faire confiance à un candidat président sortant qui n'a apporté aucune réponse à leurs préoccupations? Il existe entre les choix conduits par le président Sarkozy et les revendications des salariés. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui vendredi, pas de là. Salut Sébastien. Patrick. Ça va? Ça va? Karim, ça va bien? Ça va? Ça va Nico? La pêche? Bonjour. Bah ouais, ça va. Ah, avez-vous chaud? Ça va. Bon, ça va, là, on a connu Pierre dans l'année. Chez vous? Vous, Sabine, élus, vous êtes sur la photo. Vous rejoignez. Mesdames, messieurs, chers amis. C'est un café des villes. Non. Avec près de 52% pour François Hollande au plan national. Et plus de 58,63% au plan local. Ce soir, tous ensemble, nous pouvons célébrer, fêter même, la défaite cinglante du président des riches, la victoire du peuple.